L'émotion était palpable ce vendredi 25 août à l'église Notre-Dame de l'Assomption, puis au cimetière marin de Saint-Tropez. C'est là que se sont déroulées les obsèques du marchand d'art et commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint-Cyr, décédé dimanche 20 août dernier à l'âge de 84 ans. Sa femme Ariel était présente, soutenue par ses deux fils Arnaud et Bertrand, ainsi que par ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Pierre Cornette de Saint-Cyr, qui a rendu son dernier souffle dans la maison de retraite des Platanes à Saint-Tropez, des suites d'une maladie neurodégénérative. Il avait fondé sa maison de vente aux enchères familiales en 1973 et il s'était très tôt spécialisé dans l'art contemporain. Il était connu pour ses célèbres grandes ventes comme celle des biens d'Alain Delon ou du couturier Fujita. Il avait également, dans les années 70, été en couple avec l'actrice Marie Laforêt.